Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier l'hydrangea A en base B de Shuzo Fujimoto. Alors, plier ici à partir d'un papier pour imprimante 21 cm, je vais refaire avec un papier à motif en 15 cm. Donc, on commence par la face visible et on va commencer par faire une grille carrée de 8 par 8. Donc, on plie déjà sur les milieux. Ensuite, nous replions au quart. Sur les quatre côtés. Ensuite, on replie au 3 huitième, donc sur les plis opposés qu'on vient de faire. En tout cas, ce papier, il n'est pas pratique pour marquer, pour voir les plis qu'on a fait avant. C'est vrai qu'en fait, après, on n'en a plus du tout besoin. C'est juste pour essayer. Donc là, les plis à l'autre huitième sont faits. Maintenant, on va plier sur le huitième. Donc, même principe que l'hydrangea A en base A. Manière faire une grille au huitième n'est pas très compliqué. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a la grille, on retourne. On va plier maintenant une grille en triangle en 8. Donc c'est-à-dire on plie tous les deux carré. Donc 2 carrés, 4 carrés pour le milieu de la feuille, 6 carrés et ensuite la diagonale. Voilà. Et on fait pareil sur chaque pointe. Donc 2 carrés, 4 carrés. 8 carrés et 8 carrés pour la diagonale. On continue, 2 carrés, 4 carrés, 6 carrés et il n'y a pas besoin de refaire la diagonale, elle a déjà été faite avant. La dernière pointe, 2 carrés, 4 carrés. Et 6 carrés. Bien. Alors maintenant, on va être un petit peu plus délicat pour pouvoir montrer avec ce papier. Mais là, on voit que on a ceci qu'on peut former. Alors je vais peut-être même dézoomer un petit peu, on y verra même mieux en fait. Si je dézoome comme ceci. Et on a aussi la forme ici qui apparaît. Alors là, il faudrait juste sur la pointe là ici refaire un pli montagne, c'est le troisième carré en partant de la gauche
Et là, pareil, de ce côté, on forme un pli montagne. Donc le troisième en partant de la gauche, comme ceci. Et ensuite, nous allons replier. On forme pareil de l'autre côté. On forme comme ceci. Donc à l'avant, ça donnera cette forme-là. Et à l'arrière, ceci. On va un peu plus le tracer ici. Bien. On va former ensuite la même chose sur le côté ici. Donc là, on compte les trois carreaux et on forme le pli montagne. Pareil en face. Et on refait la même chose. Donc là, il est nécessaire de former ceci. Et ensuite, il ne reste plus qu'à refermer. Voilà. Donc, je remontre les deux l'intérieur. Voilà. On n'a plus à former. Et on fait la même chose en face. Alors pour ici, il va être nécessaire de former tous les plis montagnes. Ici, ici. Et pareil en face. On va les former directement. Vous allez voir qu'il y a tout qui va se replier ensemble. On enfonce cette partie. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tout refermer. Donc on vérifie que derrière c'est bien symétrique. Voilà. Voilà, bien. Alors maintenant, on va redescendre cette partie, voilà, le troisième triangle, le quatrième triangle. Bien, toute la partie centrale est faite. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le tour. Alors pour ça, on va former un plein inversé intérieur sur le triangle ici. On fait pareil ici. Tous les plis sont déjà existants. Il ne reste plus qu'à les remettre aux bons endroits. On le fait sur tout le tour. Voilà. Maintenant, on retourne. Et là, on va former des plis qui, par contre, n'existent pas. On voit que dans le grand carré, il y a quatre petits carrés. Donc, on va former un carré. Enfin, former une diagonale sur un petit carré. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et on fait ça sur tout le tour. Donc 8 fois. Voilà. Et de 6. Et 7. Et le dernier. Et 8. Voilà. Et là, le modèle est terminé. On peut ouvrir légèrement cette partie ou la refermer au choix.